chaque semaine, d'où l'on sort aussi crétin que l'on y est entré. Je préfère vous donner des névralgies que rien du tout. Je ne suis pas payé par un oculiste pour lui amener des clients. Mais je préfère vous abîmer les yeux que de les laisser indifférents. Vous êtes une bande de crétins dans l'ensemble. Mais peut-être y en a-t-il un seul qui comprenne. Et c'est pour lui que je divague. Du point de vue de la photo, je ferai foudre la pellicule en l'air avec des rayons de soleil. Je prendrai des chutes d'anciens films et je les rayerai, je les écorcherai pour que des beautés inconnues paraissent à la lumière. Je sculpterai des fleurs sur la pellicule. Je voudrais un film qui vous fasse mal à l'œil, réellement, comme durant le déroulement de ces vieilles projections qui se coupent et se détruisent, et où l'on voit les numéros 1, 3, 5, 7 à toute vitesse. Mais je sais que le cinéma se nourrira de l'excrément de ses propres photos, ou alors il se figera dans le pompiérisme académique qu'on appelle Hollywood, l'URSS ou l'Italie. Tous les imbéciles du monde, unissez-vous.